Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais revenir sur un film dont Jonathan Asia avait déjà parlé, je crois, au cours d'une de ses vidéos, il me semble, et c'est un film qu'il apprécie beaucoup et que j'apprécie et que je critique à la fois. Vous allez voir, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Donc, je vais parler de Rigor Mortis de Juno Mack. Petit mot sur Rigor Mortis, donc que j'avais déjà vu il y a un petit moment et que j'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça. Et honnêtement, je dois quand même reconnaître que bon, c'est un bon film, c'est un très bon film. Surtout par rapport au cinéma de Hong Kong actuel. C'est un des tout meilleurs films de Hong Kong des 10 dernières années. Super bien mis en scène, très très beau esthétiquement. En plus, le réalisateur se permet vraiment des effets d'ombre, de lumière, des jeux comme ça avec les textures, les effets spéciaux, le côté détail aussi, très détaillé de certains objets mystiques. Et donc le film, objectivement, est très bien. En plus, il s'agit donc d'un hommage, d'une réadaptation, d'une alternative, d'une version alternative un petit peu, d'un reboot, on peut dire, enfin, de Mister Vampire, donc réalisé par Eki Lo, où en fait on retrouve, alors c'est pas exactement sur Mister Vampire le film d'origine, mais c'est une espèce de condensé, de pot-pourri de tous les films de Gyunchi qui ont été faits avant avec tous les acteurs que vous allez retrouver. Alors, sauf évidemment Lam Ching-ying, mais Ching Siu-ho, qui est le héros principal, Francis Richard Hm, tout un Anthony Chan, Billy Lo, voilà, tous les artistes, tous les acteurs qui ont interprété, qui ont été proches de ce genre, qui sont les films de vampires hongkongais des années 80. Et donc le film rend vraiment hommage à ça, mais sauf qu'il enlève vraiment toute la comédie. C'est vraiment un pur film d'horreur. En ce moment, c'est vrai que j'ai tendance à avoir pas mal de films d'horreur hongkongais. J'avoue que c'est assez rare d'en trouver des bons. Alors, quand il y en a des bons, voire des très bons, j'ai parlé de The Imp, j'ai parlé de The Trail. Là, je parle de celui-là, qui est effectivement. Qui fait partie de l'histoire, d'une histoire un petit peu plus récente du cinéma de Hong Kong et donc, en ce qui me concerne, moins intéressante. Mais le film est très très intéressant et particulièrement esthétiquement. Le problème, c'est évidemment le rythme et la lenteur. Voilà, c'est très lent. Il y a des scènes comme ça. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien quand ça prend son temps, quand c'est lent, quand ça installe les ambiances. Moi, j'aime les films d'horreur à ambiance. Donc ça ne me dérange pas. Ce qui, là, je, voilà, j'ai parlé un petit peu des points positifs. C'est toujours cool de retrouver les acteurs de l'époque qu'on a kiffé dans les films, quand on était gamin, les films de vampires, etc. Donc c'est toujours aussi cool de les retrouver. Le parti pris de faire vraiment un pur film d'horreur, de pas mettre, faire vraiment un film d'horreur avec des Gyunchi, en enlevant le côté kung-fu et en enlevant le côté comédie. Il n'y a pas du tout de comédie. Il y a un petit peu de scènes, non pas de kung-fu, mais vous savez, d'incantation. Quand il y a avec le vieux maître taoïste, on retrouve toujours le vieux maître taoïste qui combat le démon avec des formules magiques, avec des incantations, avec des mouvements un peu de kung-fu, etc. Donc ça, c'est toujours excellent. On retrouve les musiques aussi qu'ils utilisaient à l'époque de Mister Vampire, etc. Donc ça, c'est vraiment pour on va dire pour les côtés positifs. Et encore une fois, je le répète, c'est un film que j'apprécie beaucoup. Le problème. Si on le resitue un petit peu à l'aune de ce qu'est le cinéma de Hong Kong aujourd'hui, je trouve indirectement que le film dépeint un petit peu ce qu'est devenu le cinéma de Hong Kong. À savoir que le film est gris, poussiéreux, il est filmé dans des endroits froids, vides, avec des acteurs vieux. Et en fait, indirectement, je ne sais pas si c'est fait exprès, je ne pense pas que ce soit fait exprès, je pense que c'est vraiment un truc purement inconscient chez Juno Mack. Je pense que voilà, le cinéma de Hong Kong tel qu'on l'a connu, à l'époque justement des Mister Vampire et compagnie, en fait, ben aujourd'hui, il a du mal à se régénérer au sein du territoire hongkongais même, c'est pour ça qu'il se déporte beaucoup plus en Chine. Et ce film en est un petit peu l'illustration, malheureusement. On a le sentiment que le cinéma de Hong Kong, voilà, est quelque chose de vieux qu'on a posé sur une étagère. Je parle vraiment du cinéma de Hong Kong de l'époque, hein, que moi j'aime par-dessus tout, mais force est de reconnaître que, à force de refaire et de refaire et de refaire et de rendre hommage encore et encore à ce même genre de film, bah, j'ai l'impression qu'indirectement, voilà, Juno Mack, il dépeint un petit peu ce qu'est devenu le cinéma de Hong Kong, quoi, à savoir, voilà, quelque chose de froid, de gris, de poussiéreux. Voilà, bon, je fais une espèce de
je fais une espèce de digression, je sais pas si c'est vrai, c'est un peu ce que je ressens quand je regarde le film en fait. Moi, c'est vrai que des films hongkongais récents, j'en ai pas regardé souvent, j'en ai regardé quand même une bonne quantité, notamment quand j'étais à Hong Kong. Hein, quand j'avais la possibilité d'aller au cinéma, j'allais voir tout ce qui sortait, tous les nouveaux films qui sortaient. Et je pense que voilà, il y a ce côté un peu, on muséifie un petit peu voilà, les vieux acteurs, les vieux lieux, les vieux genres. Et malheureusement, ça prend un petit peu la poussière, mais. Ah, je sais pas si c'est fait exprès, ou en tout cas, peut-être que c'est pour dire oui, ben, je filme ça avec un petit peu de nostalgie, avec un petit peu de. Mais ça sera pas aussi lumineux qu'à l'époque. Ça sera pas aussi lumineux, aussi avec autant de vitalité, autant de lumière, de couleur, de vie qu'avant. Donc je pense qu'il y a. Inconsciemment, il le sait. Par contre, il livre un super film. Très rare, encore une fois, je dis dans le cinéma de Hong Kong. Là, j'attends très, très, très. J'attends beaucoup son prochain polar. Juno Mac va réaliser un polar apparemment en noir et blanc avec Takeshi Kaneshiro, Luiko, etc. Donc là, je l'attends, mais comme la prunelle de enfin, je l'attends vraiment énormément ce projet-là parce que là, je trouve que on verra si ça ressemble encore une fois à Rigor Mortis, c'est-à-dire est-ce que ça va être quelque chose de finalement de gris, de poussiéreux où il va filmer des vieux acteurs. Où est-ce qu'il va régénérer un petit peu la chose? Je n'en sais rien. Je pense que ça va être difficile de régénérer ce genre-là, mais j'attends ce film. Voilà, le film, je ne sais plus comment il s'appelle ce film d'ailleurs. Faudrait que vous dites-moi le titre peut-être dans les commentaires. C'est un polar qui va sortir l'année prochaine ou quelque chose comme ça. Donc j'attends avec impatience. Mais en tout cas, pour ce premier film, je crois que c'est son premier film, Rigor Mortis, il a vraiment assuré. C'est très très beau. C'est esthétiquement hyper riche, hyper intéressant. Le problème, c'est que comme ça reprend toujours, ça rend hommage, mais en ayant une conscience quand même que tout ça, c'est quand même du passé. Et ça rend un petit peu triste. Et bon, j'aimerais bien savoir s'il va faire la même chose avec le polar. Mais moi, après, je comprends l'espèce de fétichisme qu'il y a autour du cinéma de Hong Kong, parce qu'effectivement, c'est de là que je viens. C'est la colonne vertébrale, on va dire, de ma passion pour la culture chinoise. Donc, je ne peux que comprendre la démarche et j'espère, je préfère voir ce genre de film, même si c'est un petit peu gris, un petit peu, comme j'ai dit, rempli de poussière et de béton. Je préfère voir ça que les gros blockbusters actuels faits pour le marché chinois, que bon, je ne suis pas tellement fan. Donc, je préfère qu'un réalisateur voilà, s'empare d'un sujet. Créer sa vision et nous livre son film. Moi, je préfère quand même ça. Je suis plus proche de l'art par rapport à ça, même si j'aime beaucoup les films d'exploitation. Hein, dans ma chaîne, j'en parle souvent. J'adore les films d'exploitation. J'adore le cinéma d'artisan, le cinéma de genre, le cinéma populaire. Il n'y a aucun problème avec ça. Je crois que le film n'a pas marché du tout et il a pu être mis en production grâce en plus à un financement du Japon, parce que le Japon était très 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 friand des gosses kung-fu comédies, des films de Gyunchi, de vampires, etc., de fantômes. Donc ce sont les Japonais qui ont coproduit le film, je crois. Et évidemment, le film n'a pas du tout marché. Je crois pas que ce genre de film, en fait, réponde à une attente aujourd'hui du public hongkongais, notamment chez les jeunes, dont j'ai des amis que je connais bien. J'ai pas l'impression que c'est ça qu'ils ont vraiment envie de revoir. Mais effectivement, pour nous autres, fétichistes du cinéma de Hong Kong, fans acharnés que nous sommes, ça fait très plaisir. Après, comme je vous ai dit, il y a toujours ce petit sentiment où je vois voilà la limite de l'exercice qui est voilà, c'est un vieux cinéma, peut-être qu'il est temps d'arrêter et de passer à autre chose pour se régénérer. Voilà, je pense que c'est ça. Je pense que voilà, si je pouvais résumer ça, je dirais que le cinéma de Hong Kong a besoin de se régénérer. Mais et si c'est grâce à la Chine qui doit le faire, eh ben c'est grâce à la Chine. Je pense que c'est l'ordre naturel des choses. Et on ne peut pas aller contre le réel et contre la loi de l'histoire et de l'évolution quoi, des choses. Donc moi, je comprends l'évolution du cinéma hongkongais vers la Chine. C'est totalement logique. Et je trouve que voilà, il y a peut-être que le fait d'aller à tout prix vers quelque chose de. Non pas de purement hongkongais, parce que je pense que le cinéma de Hong Kong peut encore créer de très très belles choses et pendant encore longtemps. Moi je pense même que localement il existera toujours. Il y aura toujours un cinéma hongkongais. Il y aura le cinéma de Hong Kong en Chine,
avec tous les savoir-faire hongkongais qui partiront en Chine. Et il y aura toujours ce genre de petits films, je pense, typiquement cantonais, typiquement hongkongais. Mais le problème, c'est peut-être qu'il faut juste aller un peu de l'avant, créer des nouvelles choses, peut-être. Alors, esthétiquement, il y arrive. Au niveau de la réalisation, il y arrive. Il apporte vraiment quelque chose de nouveau et de frais. Vraiment, ça, je tiens à le dire parce que ça fait vraiment, vraiment plaisir. Après, c'est vrai que rendre hommage à ce cinéma, c'était très important. Je pense que ça aussi, on peut le remercier. Après, voilà, la limite du truc, c'est que, bon, tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi, finalement? Mais bon, encore une fois, c'est quand même un bon film, je vous le conseille, et j'espère qu'il y en aura d'autres par la suite, et je vous dis, j'attends avec grande impatience son prochain polar, parce que je suis ultra fan de polar hongkongais. Voilà, sur ce, je vous embrasse, passez une bonne soirée, vive le cinéma de Hong Kong, et vive la France. Ciao!我哋鄉下以前條村好多老舊嘢，我太爺嗰代開始攞糯米，慢慢更新嗰只，糯米唔係淨要去炒糯米飯。細佬而家不如黑喺呢度咧，出去做明星我見得多。 明星入嚟呢度我就少见啦。我有批衫，以前做嘢啲旧戏服。我帮你补翻好，你咪可以留翻佢哋咯。唔好意思啊，识咗你只鸡，对唔住。妈咪话白色系全世界最靓嘅颜色，系咪啊？系，就俾佢睇下知系靓仔画噶啦。 墨都化晒都唔舍得洗，嗰啲化唔得啊！系咧，老婆啊，你上个礼拜执翻嚟嗰棵兰花咧，寻晚竟然开花喎！佢每晚11点都会擘大对眼，个女仔脚好似想屌咁啊，擘藏个副棺材。 千祈唔好除咗个面罩。你咪话道士啊，僵尸都冇晒啊！好似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 好